La maladie de la Peyronie, c'est une fibrose qui atteint les corps caverneux. Normalement, le pénis a une paroi élastique à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en érection, le pénis va s'étendre en longueur et en largeur, permettant d'obtenir l'érection. Certains patients développent des maladies de la Peyronie, c'est-à-dire que ce tissu élastique va se transformer en fibrose, c'est-à-dire une zone qui ne va plus être élastique, mais finalement une corde. Donc en érection, le patient va avoir une courbure qui va se former, et donc une déformation du pénis. Cette fibrose, cette maladie de la Peyronie, cette plaque de la Peyronie peut atteindre n'importe quel endroit du pénis. Peut-être devant, à droite, à gauche, en bas. Et donc les déformations peuvent être dans l'ensemble des plans des corps de la verge. Ça touche entre 4 et 8% de la population. Il y a des populations un peu plus affectées, notamment les patients diabétiques, environ 10%. Et les patients en post-prostatectomie radicale, on a des chiffres qui approchent les 15%.